Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyanskoban pour une autre vidéo hors du commun. Si vous n'êtes pas abonné en dessous de cette vidéo, pour vous abonner, c'est gratuit et activer à chaque fois la cloche, c'est très important. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, nous allons commencer par vous dire que dans cette vidéo, vous pourrez voir des choses qui vont vous effrayer, qui vont vous faire peur, qui vont peut-être vous choquer. Mes frères et sœurs, soyez forts. Là, vous êtes prévenus, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui! Commencez par partager cette vidéo maintenant parce que ce que nous allons voir ensemble, ça va vraiment vous surprendre. Allons au bureau, s'il vous plaît. Allons au studio, là maintenant. Nous allons au studio tout simplement pour voir des images et des choses hors du commun. Mes frères et sœurs, ce que nous allons voir, comme on vous l'a dit, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. Ça va vraiment vous dépasser. Vous serez même plus choqué que choqué. Regardez à l'écran. Waouh! Qu'est-ce que c'est, mes frères et sœurs? C'est l'argent. L'argent, c'est le diable. C'est la partie 2. L'argent, c'est le diable. Pourquoi dit-on que l'argent, c'est le diable? Le savez-vous? On dit que l'argent, c'est le diable parce que quand les humains décident de poursuivre l'argent, ils rencontrent le diable en chemin. Ça veut dire que quand quelqu'un aime trop l'argent, il y a un esprit qui l'anime en même temps. C'est un démon, le démon maman. Et il y a certaines personnes qui traversent beaucoup de difficultés. Et ces personnes, pour pouvoir s'en sortir, elles ont décidé de suivre un chemin mauvais. Juste pour avoir ça. L'argent. L'argent. Beaucoup d'argent. Lot of money. Et avoir les voitures. Juste pour avoir les femmes. Les femmes qui ont la forme que nous désirons. La forme que vous souhaitez. Regardez. Juste ça. Acheter des maisons. Sortir avec les filles. Et pour avoir l'argent, les gens passent par là. Les rituels. Qu'est-ce que c'est que ça? Ici, on voit un sanctuaire. Et là, on peut voir clairement qu'il y a carrément, ils ont dessiné un truc comme si des gens se préparaient à faire des sacrifices. Regardez bien. Comment pouvez-vous décrire ce symbole? On peut décrire ce symbole comme deux triangles renversés. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des bougies rouges aux extrémités de ce symbole encore, de ces choses que vous voyez là. Juste là au bon milieu où se trouve la bougie blanche, c'est là que des âmes innocentes sont données en sacrifice. Ce qui veut dire que ceux qui font de telles choses font un pacte avec le monde des ténèbres pour obtenir ce que beaucoup de personnes ne peuvent pas obtenir facilement sans passer par ce moyen-là et par voie rapide. Parce que vous devez savoir que chez le diable, pour avoir de l'argent, ça ne met pas de temps. Ça ne dure pas. Mais il faut lui offrir quelque chose. Il y a certains qui offrent leur corps, ils se décomposent. Il y a d'autres qui offrent leur enfantement, leurs enfants. Eux, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y a d'autres encore qui ne peuvent pas se marier. Tout simplement parce que toutes les filles, toutes les femmes avec qui ils désireront se marier, elles mourront 2 semaines plus tard. Il y a encore d'autres qui ont des problèmes dans leur foyer. Parce qu'à chaque fois qu'un enfant naît, il meurt plus tard. 5 enfants sont morts. Au point où la femme a dit, tu as l'argent, tu as tout, mais moi, j'en ai marre de voir mes enfants mourir. Et elle quitte la maison.
Ça veut dire que l'agent du diable a des conditions. Mais malgré nos avertissements, beaucoup de personnes continuent de se laisser tromper par Satan, Lucifer lui-même. De toutes les façons, vous allez voir. Regardez ça. Que voulez-vous, mes frères et soeurs? On voit deux personnes qui sont en train de causer. Et eux, ils sont peinards, tranquilles chez eux. Hein? Ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. En plus, sous les pieds, on peut voir des billets de banque. Ce sont des billets de dollars qui sont juste en bas, sous les pieds. Donc, eux, ils sont juste là, tu te dis. Et il y a des billets de banque sous les pieds comme ça, mes frères et sœurs. Et on peut bien remarquer que cet homme qui est là, il ressemble à un occultiste. Il ressemble fortement à un féticheur. En tout cas, ça a l'air d'être une personne pareille. Et cette personne a sans doute donné un pouvoir à ce gars qui est là, afin que cet homme devienne un homme riche. Et ils sont devenus tellement riches qu'il peut même s'asseoir sur le trône de la richesse. C'est pourquoi en dessous, vous voyez des pieds de banque juste là en bas. Ah, ça vous plaît, n'est-ce pas? Vous êtes séduit? Vous êtes séduit? Quand on dit derrière l'argent, c'est tout le diable. Voici l'image qui vous amène à vraiment comprendre ça. Pourquoi se salit-il? C'est tout simplement parce qu'il y a eu un pacte. Il y a eu un deal. Cet homme a donc fait un deal avec ce gars juste pour avoir la richesse, juste pour que la richesse, toutes les choses de ce monde soient sous ses pieds. Le savez-vous? Non, mais je ne savais pas. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre des choses extraordinaires ici. C'est pas tout. Regardez ça encore. Que voyez-vous, mes frères et sœurs? Ici, on voit un jeune homme. Quel âge voulez-vous lui donner? Quel âge vous lui donnez, mes frères et sœurs? Regardez bien. On peut dire qu'il a moins de 30 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'il est riche. On voit dans sa main des billets lourds. Et lui aussi, il est carrément couché sur de l'argent. Couché sur de l'argent. Et on se dit que c'est la joie. Et les parents vont dire, oh, mon enfant a réussi. Mais les gens ne savent pas ce qui se passe derrière. Les gens ne savent pas ce qui se passe vraiment derrière. Derrière l'argent se trouve le diable. Et le diable est là. On voit encore notre homme occultiste. Il est juste là. Et il est en train de faire des invocations. Et l'argent sort des calebasses. À la fin de cette vidéo, vous verrez une vidéo où on vous montrera cette manifestation, comment ça se fait directement. Restez jusqu'à la fin. Regardez ça. Et il y a de l'argent aussi. Et ce sont des liasses de billets. C'est pas du fake, hein, c'est pas du faux. Il a même des billets dans la main. Regardez encore ici. Là encore, beaucoup d'argent sur la table. La plupart du temps, ceux qui reçoivent beaucoup d'argent dans cette voie-là, ils aiment s'exposer sur les réseaux sociaux, montrer à tout le monde qu'ils ont de l'argent. Et on les voit la plupart du temps dans les fêtes. Dans les fêtes, vous les voyez tout simplement là-bas en train de jeter de l'argent sur les gens. Ou bien dans les boîtes de nuit en train de jeter de l'argent sur les gens. C'est exactement ça. Parce que leur argent, c'est de l'argent sale. Ils n'ont pas travaillé dur pour l'avoir. Regardez ça. Et le diable se trouve derrière l'argent. Et le diable se trouve derrière toutes ces choses que nous sommes même en train de voir. C'est exactement ça. Si tu veux l'argent, tu viens milliardaire, sache que sur ton chemin, tu rencontreras Satan le diable. Et regardez, ce sont des billets de banque qui sont là. Beaucoup de billets de banque. Beaucoup de billets de banque. Ça t'étonne, non? Est-ce que tu étais de dire dans ton cœur là-bas, oh, Nyan Sribon, j'aimerais avoir ça. Entre nous, qui n'aimerait pas avoir ça? Si tu travailles dur, tu peux avoir tout ça.
Mais il faut laisser ça courir, courir après toi. Laisse l'argent courir après toi. Toi ne cours pas après l'argent. Parce que si tu cours après l'argent, tu vas rencontrer le diable en chemin. Parce que tu utilises l'argent pour travailler et pour attirer, pour acheter même les âmes des gens. Tout cet argent, là, je dis qu'il va te donner tout ça juste pour que toi, tu lui vends ton âme. Or, ce que toi, tu oublies, c'est que si tu as eu tout ça, ça va te servir que sur la terre ici. Et tu auras peu de temps à vivre. En plus de ça, il y aura des conditions. Tu ne vas pas jouir de cet argent-là. C'est réel. Et après, quand tu vas mourir, tu n'iras pas au paradis. Toi-même, tu es déjà au courant que tu iras directement en enfer et tu te prépares même à aller en enfer. C'est exactement ce qui se passe. Et les femmes, elles aussi, elles sont dans les games. Regardez ces filles à l'écran. Elle est couchée sur de l'argent. Elle a même, elle est carrément en string, en cili, en soutien-gorge. Tout ce que vous connaissez. De l'argent sur son épaule. Mais c'est pas l'argent, c'est pas du bon argent. C'est comme ce gars-là. Il a décapité un enfant. C'est sa tête qui tient dans la main juste ici. On préfère tenir l'image, les images éloignées comme ça pour ne pas vous troubler un peu. Il a décapité un enfant. Et Dieu ne doit pas l'attraper. Puisqu'on l'a attrapé, il allait montrer, il allait faire sortir la tête qu'il a. Oh non. Vous lui donnez quel âge ce gars-là? Il est de la trentaine. Peut-être qu'il a presque 40 ans ou bien 40 ans. Mais il a fait un crime. Et ça, c'était vraiment un crime. Et on l'a attrapé, on l'a menotté. Il va directement en prison. Et avec le fétichot aussi. Ça, c'est clair. Et c'est l'argent qui était à la base de ça. Ce que nous voyons, c'est réel. Et il y a même de l'argent, des serpents qui vomit de l'argent. Ce serpent, c'était un serpent mystique. Et ce serpent-là vomit de l'argent, énormément d'argent, beaucoup d'argent. Comme vous pouvez le voir ici, ce jeune homme, il est juste là. Il a pris de l'argent et il est en train de téléphoner. Il téléphone avec des liasses de billets, des billets de banque. Et ce qui est sûr, c'est que cet homme-là, il a acquis de l'argent venant de la, du diable, hein, cet argent vient du diable. Et c'est ça, c'est de ça que nous sommes en train de vous parler ici. Le diable et l'argent. Mes frères et sœurs, il y a tas de choses dans ce monde. Si vous remarquez bien dans les clips, on vous présente l'argent à chaque fois. Beaucoup d'argent comme ça. On dit, oh, l'argent, ça fait tout. L'argent contribue au bonheur, il faut avoir beaucoup d'argent. Et puis les gens vont te respecter quand tu auras beaucoup d'argent. C'est ce qu'on se dit la plupart du temps. Et les gens veulent être respectés au point où ils vont même signer des pactes avec le Lucifer pour avoir l'argent. Et regardez, quand les gens voient ça, mais comment ils se sentent? Il y a certaines personnes, quand elles voient ça, c'est comme si elles ont vu Dieu. Hein? Parce que c'est énormément d'argent, c'est beaucoup d'argent. C'est tas d'argent. Waouh! C'est beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup. Il a positionné de l'argent sur la table. Et cet argent qui est là, vraiment, regardez, l'argent. Partout où vous passez, vous entendez parler de money, 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 money. Et regardez ce que les gens font. L'argent. Les portables de luxe, tout ce qui peut vous plaire, les montres de valeur, les portables, les smartphones haut de gamme, mais les gens font des sacrifices bizarres pour avoir ça. Il a décapité l'enfant, on ne va pas approcher l'image, c'est vraiment cru. Et mes frères et sœurs, c'est exactement ce qui se passe. Les gens font des rituels, ils font des sacrifices à des dieux étrangers. Juste pour avoir de l'argent. Et tout cet argent que les gens auront sur cette voie, à quoi ça va les servir réellement? Est-ce à construire? Dans le cas où vous êtes, dans le cas où
vous ne pouvez pas vous marier juste parce que vous avez fait un rituel pour avoir de l'argent. Qui va bénéficier de toutes vos richesses quand vous mourrez? Parce que tu peux dire que, oh, moi je m'en fous. Mais si on me demande de ne pas avoir d'enfants, si on me demande de sacrifier mes enfants juste pour la richesse, moi je m'en fous, hein, ça va juste me faire plaisir, c'est tout. Peut-être que tu peux dire au départ, mais quand tu vas commencer à avoir de l'argent, tu vas devenir riche. Tu vas sentir le besoin d'avoir un enfant au moins. C'est important. Dieu n'a pas demandé aux gens de se multiplier pour rien. L'argent venant du diable a toujours des conditions que vous ne pouvez pas assumer, que vous ne pouvez pas respecter à 100%. Ça va vous rattraper plus tard. Et regardez encore, c'est ça. Les gens pensent, quand les gens voient l'argent, ils pensent à mettre une voiture de luxe. Ils pensent également aux belles maisons et aux femmes. C'est qu'un sujet vous connaissez déjà. Et vous savez que c'est ce qui se passe en réalité. Mais faites attention. Les gens vont vous dire, oh, il n'y a pas de conséquences, c'est sans conséquences. Toute personne qui viendra vous dire que avoir de l'argent par la magie, par la sorcellerie ou de façon mystique, c'est sans conséquences. Cette personne est votre ennemi. Parce que cette personne-là est la première personne qui cherche à vous tuer. C'est du mensonge aujourd'hui. Et c'est du mensonge demain. C'est que si vous allez voir. Est-ce que ces choses, ça marche vraiment? Est-ce que tout ce que nous allons montrer, même comme image ici, est-ce que c'est de la blague? Nous allons vous montrer une vidéo où vous allez voir quelque chose que vous avez peut-être vu ou que vous n'avez jamais vu. Mais partagez cette vidéo pour que tout le monde soit informé qu'il y a un danger derrière. N'entrez pas dans ce piège. Regardez ça. Il y a un numéro qui s'affiche sur l'écran. Nous allons cacher juste le numéro avec la main comme ça. Et vous pouvez voir, nous pouvons voir une personne qui tient une calebasse. Nous allons appuyer sur play. Et la calebasse est juste là devant lui. Que ce papa tient à faire? On voit des cories à l'intérieur. Et il se met à juste faire des incantations. Il fait des incantations. Et il est filmé par quelqu'un qui veut juste voir si ce genre de choses-là, ça marche vraiment. Et vous allez voir de vos propres yeux. Pour avoir de l'argent venant du diable, c'est facile et c'est rapide. C'est pas dur. Ça vient facilement. Si vous avez besoin de 1 million, même si vous voulez 1 milliard, ça va venir tout de suite. Mais faites attention. Le diable ne veut pas le bonheur des humains. Vous allez voir tout de suite, après avoir tapé plusieurs fois sur la calebasse. La calebasse qui était vide va être remplie de billets de banque. Celui-là même qui va filmer, il sera tellement dépassé qu'il va toucher les billets de banque et nous montrer pour voir si c'est vraiment réel. Et tenez-vous prêts, ce sont des vrais billets de banque que vous allez voir. Préparez-vous, les incantations, préparez-vous, préparez-vous. Il a arrêté de faire des invocations, tout ça. Il fait des invocations. Et regardez. Waouh! Les billets de banque sont apparus. Et il dit que cette calebasse est capable de produire 11 millions de francs CFA. Deux fois par semaine, 11 millions de francs CFA. Vous voyez, cet homme nous montre même le billet de banque. C'est un billet de 5000 francs CFA. Et il arrive à produire autant d'argent que vous désirez. Ils vous disent même que pour pouvoir acheter cette calebasse, il faut faire quelques cérémonies. Et il faut payer environ, on peut dire, environ 300, on peut dire 300 et quelques mille. 300 000 francs. Comment peut-on acheter un truc pareil qui produit de l'argent à 300 000 francs dans la main de quelqu'un? C'est juste pour quoi? Ou bien vous avez dit que c'est juste pour aider, c'est juste pour aider. Mes frères et sœurs, sinon vous posez-vous des vraies questions. Quand votre ennemi vient vous offrir un cadeau là, c'est pourquoi?
C'est pour que vous percez vos gardes afin qu'il puisse, votre garde afin qu'il puisse vous poignarder, vous tuer. Le diable, c'est notre ennemi, vous devez savoir ça. Vous pensez que le diable veut vraiment améliorer votre condition de vie, votre façon de vivre? Jamais. Il veut vous détruire. Il veut détruire les humains. Donc, il ne peut pas permettre que vous gagnez tout ça et puis vous vivez tranquille et que vous ayez la paix. Le diable n'aime pas ça du tout. Donc, il fera tout ce qui est possible pour pouvoir blaguer les gens, mentir aux gens et les faire croire que c'est une bonne affaire. C'est pour éviter ce genre de choses que nous faisons encore cette vidéo. Vous vous dites, mes frères et sœurs, si ça vous tente, faites très attention à ne pas tomber dans le piège de Satan. Le diable, il existe. Mais regardez vous-même, ce sont les vrais billets de banque. Ce sont les vrais billets de banque. Même si vous allez à la banque, vous vérifierez les numéros qui se trouvent sur les billets. Vous verrez que les numéros, effectivement, sont les numéros enregistrés dans le registre de la banque. Et c'est sérieux, hein? Ça, c'est pas de la blague, c'est devant vous, ça s'est passé. Est-ce que c'est un montage? Est-ce que vous y croyez vraiment? Ce genre de choses existent. Vous pouvez travailler dur sur la terre pour avoir de l'argent. Mais le diable aussi peut faire son travail pour vous donner de l'argent. Ne tombez pas dans ce piège-là. Parce que ça finit mal. Ça finit mal. Quand on lui a posé la question à ce gars qui a fait ça, est-ce qu'il y a des conséquences derrière? Vous savez ce qu'il a dit? Il dit non, c'est sans conséquence. Il dit c'est carrément sans conséquence. Il n'y a pas de problème, tu peux juste le faire, mais tu dois renouveler chaque, c'est pas 5 ans, tout de ce genre. Mais ce que les gens ne vous disent pas, c'est que le jour où vous serez prêt à renouveler ça, ils vont vous demander de tuer quelqu'un, de faire un sacrifice. Un sacrifice. Et c'est là les choses risquent de mal tourner. Tu vas sacrifier qui? Ton enfant? Ou une partie de toi? Juste pour avoir de l'argent comme ça. Nous n'avons pas fait cacher son numéro parce qu'il y a des gens qui sont très trop curieux. Ils veulent juste appeler pour voir comment ça se passe. Si tu as vu ici, il faut dire Dieu merci. Toi maintenant, fais ce qu'il faut pour ne pas être séduit par tout ce que tu vois. Est-ce que ce que nous venons de te montrer, c'est un poisson ou des poissons qui se trouvent dans l'eau, dans l'aquarium, juste là comme ça? Mais bien sûr que non. C'est money. Qui n'aime pas l'argent ici? Mes frères et sœurs, dites-nous, qui n'aime pas l'argent ici? Tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime avoir de l'argent. Mais il y a des gens qui aiment l'argent plus que l'homme, plus que l'être humain. Et c'est de telles personnes-là, elles n'aiment pas les autres. C'est-à-dire que si on lui demande de tuer son prochain juste pour s'enrichir, elle serait prête. Donc tu tues quelqu'un et toi seul tu es riche. Toi seul tu t'enrichis. Et vois ça, voici ce qui se passe. Tu deviens un tueur en série. Et personne ne peut savoir que c'est toi qui tues les gens. Si tu dis que personne ne peut savoir que c'est toi qui tues les gens pour avoir de l'argent, nous allons te dire aujourd'hui que Dieu ne dort pas. Un jour, on va t'attraper. Un jour, on va t'attraper. Ce jour-là, tu vas dire que c'est Satan. Tu vas dire que c'est le diable. Il y a des gens comme ça. Hein? Quand ils finissent de faire des bêtises, on les attrape. Il faut les voir en train de parler. Oh, c'est pas moi. C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Mes frères et sœurs, faisons très attention. Il y a des choses qui se passent. Et nous avons besoin de vous montrer ça. Si on ne vous a pas révélé toutes ces choses, peut-être que vous tomberez sur de telles choses. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à de grandes choses encore qui vont venir.
Qu'est-ce qu'on dit chez nous? On dit ça va être chaud. En cliquant sur une seconde, c'est la vidéo, cliquez sur la cloche pour activer. En cliquant sur une seconde, vous pouvez avoir accès à la page d'accueil où vous allez voir nos trois autres chaînes. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche à chaque fois pour les activer. Et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez au maximum cette vidéo. Partagez-la afin que d'autres personnes puissent la voir. Si on n'avait pas fait cette vidéo, si Dieu n'a pas permis que cette vidéo soit là, toi, mon frère, tu ne la verrais pas et tu ne ferais pas attention. Donc toi aussi, fais le travail qu'il te faut. Fais le vrai travail, fais le travail qu'il faut pour sauver quelqu'un aussi. Nous comptons sur toi. Dieu lui-même compte sur toi aussi. Ah, qu'est-ce qu'il y a pas, qu'est-ce qu'il y a? Et toi-même, fais attention. Il est préférable d'amasser petit à petit et devenir grand. Au lieu de devenir grand un coup et tomber à la fin. Ou encore finir mal. Il y a même certaines personnes qui pourrissent seules. C'est-à-dire, tu le vois, il a arrêté devant toi. Son pied est pourri, son bras est pourri, tout est pourri. Il est pourri sur le mort vivant. Faites attention, mes frères et sœurs. Prenez soin de vous.